président. Et m'a salué président, m'a salué tous mes chers collègues là. Et m'a salué le premier ministre nommé et tout le monde cabinet. Président, ça a son séance très spéciale pour moi. Je dis très spécial parce que vraiment c'est la première fois que je assisté. Ça m'a pour un jour aujourd'hui hein, que mon paquet de chef qui là qui prend chef et qui pas respecté et qui pas penser que tu as privé chef parmi nous toutes là tout. Et ça prend pour faire mal en pile pour demain matin et ça prend du en pile pour président de la République là qui prêtait pouvoir ben monde ça yo qui ben citoyen ça yo ben citoyen ça yo et que citoyen ça yo pas respecté ça te relé être haïtien parce que même t'es gain chanson depuis 25 ans m'a payé taxe pour qui ça parce que m'te gain caille m'ta louer des machines, des tout bagage qui te fait obligé payer taxes correctement. L'emploi avion va payer taxes avion. Président, ce bagage qui est extrêmement dur pour moi que gen moun qui pral dit est-ce qu'on paye taxes? Est-ce qu'on paye taxes? Et pourtant avant yo pas payer taxes. Concou nous même tout. Tout collègue moi yo. M'a dit ça. Parce qu'en pile collecte paye taxe en retard tout. En pile collecte paye taxe en retard. Président Mouchon. Mais même moi dis c'est seul avantage à me gagner parce que me gagner ça. C'est à toi Gracia. Merci président. Je dis président, il y a des gens qui là tout. Et bon problème dans DGA. Je suis un sénateur Beaublanc. Je suis content, je n'ai pas avancé. Monsieur Bédan, il faut nous connaître que il y a des gens là. Monsieur qui a payé taxes, par exemple, tabac, pour que l'on a payé taxes, quoi, des bouquets. Et puis là, il vient de section générale, là, il parle. Je pense que c'est un moment pour nous saisir, PM, pour que nous fassions DGI, un instrument qui est fort, en un pays pour ça va arriver. Ça veut dire que moi, quoi que, il y a des gens là qui a gagné des problèmes, ça, qui paye taxes sur tabac, ou bien qui paye taxes sur quoi, des bouquets. Et puis là, il vient de section générale, il parle. Merci collègue. Merci collègue. Et collègue, c'est une bagaille que nous travaillons ensemble avec collègue Belize pour au moins un programme pour tout côté, ça où il y a ensemble pour nous payer taxes. Mais je vais continuer avec Sam Dabdian. Collègue, bon faire son nom. Motion, sénateur Willow. Et bon, président. Et intervention sénateur Salomon fait moins on l'autre bagaille. Bon, son motion, oui. Oui, discussion à faire dedans sous taxes, sous décharge et autres. Sénateur Salomon dit à l'heure, on pas les fois perdu pour un pain ou bien quatre. Et je pense que c'est très important si nous voulons clair pour le public là, supposé ouais. Ouais, puis clair. Le public a supposé comprendre ce problème, non? Parce que moi-même, beaucoup même pas contre ce problème, non? Parce que si il y a un monde dans la salle qui a un problème, mais quand on dit à la claire, dit tel monde qui a tel problème, pour que tout le monde connaisse, et bien pour que nous nous tranchions. Mais si on a fait débat, on a privé 3 heures du matin, il n'est pas fait. Faut. Vous avez la parole, non, c'est là de vos plans. Faut. Assemblée à clair sur ça, faut que nous connaissions qui est-ce qui a un problème, non? Pour que nous regardions est-ce que le problème existe de fait, pour que nous décidions. Mais si ce n'est pas ça, nous avons fait même barrage là encore, chaque qui monte a dit qu'il y a un problème, et bien nous allons identifier. Mais c'est important pour la commission clair avec nous, pour dire nous chaque problème, non? Parce que la commission travaille pour nous. Très bien. C'est important. Continuez, sénateur Foucan. Oui, président. M'dabdi, président. Ça qui fait mal là, c'est que nous tous, dans presque même situation. Et ça, c'est un exemple
que cap passé là c'est premier ministre en fait pour qu'on ait dans 2018-2019 là tout problème ça yo faut qu'a présenté parce que faut qu'haïtien paye taxe l'heure pour payer taxe ça et le, si on pas payer taxe pour payer taxe c'est pas pour le vini pour le rester pour le dire bon mon seul pote bourré faut qu'on ca chaque année même gens on pas payer taxe ça gros gon intérêt monter sous taxa dès qu'on pas payer pour l'on vienne payer là il faut payer tout intérêt pas payer sous lui parce que ça n'a pas journée aujourd'hui là président nous demain matin nous pas connaît si moun ces citoyens ça j'ont dit tout à l'heure pral faire tout monde payer taxe et pral ca gérer tout ça yo pral gérer avec l'argent taxa que yo même yo pas habitué payer pour y faire l'école pour y faire plantation pour y faire l'hôpital pour y faire tout ça au gain pour faire pour peuple là. Merci en pile président. Merci sénateur La Tortue pour votre proposition. Merci. Merci président. Nous vous saluons et premier ministre tout ministre qui là. Président, nous de bonne foi. Et c'est peut-être ça moi été levé personnellement pour me dal garder à travers dossier. Et président, sur question fiscale là, moi crois que rien pas éclairci parce que ça nous mandé. Et en plus ministre a payé en plus le à oui, et président, nous avons besoin de garder différents cailloux par rapport à monde qui paye en plus, c'est-à-dire qu'on ne va pas payer. Et dans ce sens, nous devons garder dans le dossier commission, nous n'avons pas aucune possibilité. Et le directeur de GIA a voulu féliciter la commission, là, pour le dire que merci de ce que nous fait quoi rentrer. Président, bonne lecture. Pas pour président seulement, pour tout oui. Collègue, pour toute assemblée. Sénat de la République, la commission sénatoriale spéciale, chargée de l'analyse des dossiers du premier ministre et du cabinet ministériel, en ce bureau. Objet, remerciement. La Direction générale des impôts présente ses compliments aux honorables sénateurs de la République, Madame Dieudonne Numa Etienne et M. Jean-Runel Sénatus, membres de la commission sénatoriale spéciale en charge de l'analyse des dossiers du Premier ministre et du cabinet ministériel, et à l'avantage de les féliciter pour la coopération désintéressée qu'ils ont apportée à l'administration dans le traitement des dossiers des membres du cabinet ministériel et dont l'action aura permis d'engranger des recettes fiscales non négligeables. Président, combien de coûts rentrer? Qui moun qui pas payé, qui paye? C'est ça, monsieur Géry? Qui ministre qui permet que l'administration rentre des recettes non négligeables? Et depuis tout, oui. Il y a trois types de redressement. Mon redressement d'office. Vous n'avez pas la parole, sénateur. Oui. Donc, non, ça, président. Ah, que t'es redressement. Je dis à président, nous dit, li anormal que nous n'avons situation, cela, il nommé ou courir à le payer. Ça veut dire, président, ou a fin payer le ministre, ou marron, pas de payer encore. Donc, je dis à Sénat, pas de rien avec aucun ministre qui l'a, mais nous dit, n'a pas son exemple. Et si nous acceptons, c'est Sénat qui a plein. Parce que je dis, c'est nous qui avons contrôlé. Et si on parti présente un ministre, ce n'est pas normal, que le présentons l'autre. Mais je dis, nous pas qu'à chaque jour, comme grand corps, nous avons campé, nous avons critique. Il y a petit nous pas fonctionné bien. Et puis l'arrivée pour nous faire le job, nous pas faire parce que nous bien avec le monde. Ceci est anormal, président. Et c'est peut-être ça, président. Nous prenons courage, nous, pour nous présenter la position. Motion. Motion avant de présenter le collègue. Jusqu'à présent,
Qu'est-ce qui a accordé aux motions, hein, sénateur? On va me tourner, t'es maintenant nous accorder, monsieur le président. Laisse-moi me faire tout camper. Merci. Allez-y. Merci, président. On a pensé que c'est la déchoir, la mouchette. Et je m'excuse. Et je m'excuse, président. Merci, okay. Et puis je m'excuse. Et, président, jusqu'à présent, avant sénateur, là, toi, tu as avancé, proposition là. Nous avons doute là. Jusqu'à présent, nous comment on dit ça même là? Nous sommes dans la métaphysique. Je réfléchis, mais c'est qui moun moun sa oye? Je ne sais pas si je réfléchis comme si on dissertation historique. Mais il faut que vous avez dit qui moun. Et puis pour nous prendre cas, pour nous traiter cas. Mais si cas pas présenté devant, de qui m'a traité là même? Non, mais qui m'a traité là? Est-ce que c'est tout moun yo? Donc je pense que avant solution à passer, président, il faut que nous prenions qui moun et puis pour nous trancher. Merci. Ni cas global, en même temps spécifique. Président, remerciement de GI sous question fiscalité à rentrer que le fait, cas global. C'est vrai, nous jouons 18 ministres là ou plus avec le secrétaire d'État. Mais t'es grand pile candidat. Oui. T'es grand pile candidat ou capable de multiplier le par 100, par 200, par 400. Non, c'est parce que globalement. Non, j'ai pas terminé. Cette mais ça vous le cabinet, une précision. C'est une motion, monsieur. Oui, une motion, mais à partir des membres du cabinet. Chers collègues. Je dis que le cas global, en même temps, le cas spécifique. Global, parce que remerciement ça, le cas présenté pour tout candidat. Yo. Non. Parce que si m'des candidats. Il n'a pas choisi, même d'aller faire papier, d'aller payer fisc et d'aller payer taxes. Et je crois que dans tout bureau, c'est tête qui frappe à tête, c'est monde qui frappe à monde. C'est vrai, moun ki la yo, c'est peut-être choix ça fait. Mais en même temps, le cas spécifique tout. Non. Parce que m'd'accord d'accord avec, m'pense que te gen des cas spécifiques que nous te dit c'est ça qui fait aller à m'demander président pour l'ité agir sous cas spéciaux. Est-ce que c'est une, est-ce que c'est deux, est-ce que c'est trois? Qui est-ce moun normalement qui te gen un taxe en plus pour le dépayer? Est-ce que c'est yo tout? Tout ministre qui l'a, ou bien si c'est quelques l'un eux-mêmes, deux, trois. Donc, vous demandez le président, plus ou moins spécifique le cas ça, pour le dédier un, même moun qui. Très bien. On est combien de candidats? Motion, président. Pas de motion encore, non? Et deux. La place, on me président. Permettre oui. Sénateur exceptionnellement placé. Président, j'ai l'impression ni nous-mêmes, ni cabinet, nous ne pas comprendre ce qui a passé là. La population a gardé nous, vous voulez lisse là. Lisse monde qui t'a le payé en plus. Yo. Pour qui ça lisse là, pas qu'à venir là, mes amis, pour nous, pour tout le monde. Tu es obligé pour moi, président. Très bien, ça. Là qu'on y a, ou pral rivon côté, ou pral dire, ou pral prendre décision. En plus bonne décision pour t'apprendre la présidence, c'est dire, ben, mais là. Président, fais ça pour nous, t'en prie, parce que nous-mêmes, nous voulons avancer. Et puis, question de décharge là, tout, président. Si président, si vous pas prêt, c'est la parole. Non, mais qu'est-ce que vous avez dit? Sénateur, la tortue. S'il vous plaît, sénateur, la tortue. Merci, président. Ma petite rectification. Let's ça, que le directeur DGI a écrit. Il écrit avec commission sénatoriale spéciale chargée de l'analyse des dossiers des ministres. Et c'est dans le dossier ministre, à travers ministre qui est dans le DGI, que ont entré des recettes non négligeables. Parce que. Non, c'est à travers ça que ont entré. L'ISLA, ministre que ont nommé, c'est yo que l'œil au poil dans le DGI et puis ont entré COBLA.
Sénateur, proposition. La proposition, président. Proposition finale. Élection, oui. Président, nous avons une proposition d'ordre général. Mais si nous jouons une liste là, l'étape plus bonne d'affaires spécifiques à Moun, justement, qui part payer. Parce que son proposition qui globale, qui a fait que nous rentrer la donne, eh bien, des Moun. Peut-être qu'il n'y a pas de problème là. Mais si nous jouons une liste là, parce que directeur de GIA, président, dès que le badou l'aide ça, il y a un monde qui fait le faire cette là. Donc je dis à la commission, malheureusement, pas gagné. Et c'est dommage. Très bien, sénateur. Donc moi-même, président, proposition par le général, je demande à tout ministre qui n'a pas payé à temps. Mais si nous avons une liste là, m'a connaît exactement qui moun parce que proposition l'a adressé ni à moun qui pas payé à temps qui subit redressement ni à décharge là mais je dis à signer liste là non le ça n'a pas avancé n'a continué à avancer pas comme monde qui vidéo pas comme monde qui vidéo check sur pas comme monde qui vidéo proposition finalement donc président s'il vous plaît. Il y a un pile de questions qui a posé à la commission. Je ne sais pas si vous avez vu la commission. Vous estimez que la dans ce commission n'a pas de chance pour répondre. Non, on va permettre que la commission. Il y a des réponses. Il y a des réponses qui devraient permettre de débattre. On va permettre que la commission définitivement tranché parce que moi-même, comme président du Sénat, faut moins trancher. Oui, et m'a tranché immédiatement que le sénateur Yuri fait une proposition non, m'a permettre que la commission et bah réponse à ensemble de questions que tu as adressées et puis bureau a tranché. Sénateur, là toi tu sors, m'a permettre. Sénateur, mais sénateur sénatus, allez-y, vous avez. Alors président, il y a une question que ce collègue a soulevé qui est vraiment important pour nous faire lumière comme commission autour de vous. Ma propre collègue pour nous dire, sénateur Luma et moi-même qui avons une mission pour nous aller dans le DGI, nous allons dans le DGI avec certificat impôt sur le revenu pour tout ministre qui l'a. Pas de monde qui l'a, qui n'a pas payé impôt. Ah, très bien. Tout le monde qui l'a, te baye un certificat. Est-ce que je peux permettre que sénateur sénatus finisse? Tout le monde qui l'a, que vous avez communiqué nous, à l'exception de deux ministres, que vous avez venu voir ben nous par après. Est-ce que vous êtes président? Et oh mon Dieu, Jean-Gilles, il y a deux ministres qui ont été venus ben nous après. Nal dossier en retard, nal enquêté sur eux après. Mais tout ministre qui l'a yo, nous prenons sous nous responsabilité pour nous analyser tout dossier yo avec des certificats de déclaration définitive d'impôt sur le revenu qui ont été soumettre. Cependant, le nom a analysé question à la DGI. Nous gardons nos ouais, gagnons de côté, on mettait, on tire notre concours, nota bene. Yo dit, moun sa yo, c'est moun qui fait déclaration, sous sa yo le crédit d'impôt. Nous même, ça te attire attention, pour nous regarder, est-ce que moun sa yo par rapport à CV yo paye, pour c'est pas l'État qui doit yo, mais c'est yo qui t'a doué l'État. Et nous attirer attention, directeur de GIA, sous ça, Jean Constitution a dit, depuis on moun gen connaissance, les fonctionnaires qui ont connaissance de tels faits ont pour devoir de les signaler à l'autorité compétente. Et puisque l'autorité compétente, c'est l'administrateur fiscal, nous-mêmes nous attirer attention, directeur de GIA, et puis nous-mêmes, nous allons faire route nous. Travail nous faisons. Maintenant, sous-sénateur, Gracia Delvac te pose une question intéressante. Question, lui dit, si est-ce que mon yo, si me fait 2 ans, je ne paye pas impôt, l'aime payer, qui ça la loi dit?
C'est sa question, sénateur Delva. Je vous réponds rapidement à la lumière de la loi. Menant article 106, on prend 101 d'abord, 101, loi septembre, c'est décret du 26 septembre 2017 qui portait sous affaire déclaration définitive d'impôt sur le revenu sur base individuelle. Lydie, va-t-il? On va avancer? Non. Monsieur, si une personne me connaît, c'est mon avocat. L'homme sorti ici, il y en a un. On nous a dit. Article 101, dit président. Nous avons tout prêté attention parce que moi, ça fait sou, m'a suivre nous avec attention. C'est parce que c'est nous qui faisons loi. Mais après, pas nous liste là. Lorsque loi. Ah, oh, non. Lorsque loi est incomplète, loi désuète, c'est nous pour faire loi. Pour faire loi. Faut nous faire loi. Article 101 dit tout contribuable qui. Dans le délai de la loi, n'aura pas fait parvenir au bureau des contributions le plus proche sa déclaration définitive d'impôt sur le revenu individuel ou qui aura refusé de fournir des éclaircissements pour le contrôle de sa déclaration sera passible d'une amende de 1000 goudes à 5000 goudes. Ça veut dire, yon moun qui pas fait déclaration en temps utile, sénateur Delva, la loi dit, la loi fiscale dit, y a chargé yon amende allant de 1000 goudes à 5000 goudes. Pendant que article 103 a vini, li dit tout retard que moun nan te accusé dans déclaration l'on, pral permettre administrateur fiscal là à charger de yon amende allant de 25% à 100% sans compter supplément que le capable charger suivant gravité car. Non, même loi qui c'est article 106 lui dit en cas d'absence de déclaration d'impôt, en cas d'erreur, en cas d'omission, l'administration générale des contributions peut réclamer dans un délai ne dépassant pas 5 ans l'intégralité ou le supplément d'impôt dû à partir de l'exercice pour lequel l'impôt aurait dû être établi compte tenu des surtaxes encourues sans préjudice des amendes selon le cas. Là, je vous lis la loi. Et puisque c'est nous qui faisons la loi, m'paroué pour qui raison nous obligé faire 3 heures de temps, nous à discuter sur une question qui est réglée par la loi, des sanctions qui sont appliquées par la loi, alors que tout le monde qui l'a, c'est pas que vous n'avez pas fait déclaration, mais c'est parce que ou bien tu as une erreur, ou bien tu as une omission, ou bien tu as une sous-évaluation, que le droit fiscal déjà réglé.